Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la première partie de l'épreuve de maths du concours d'accès à l'ENSA 2023, dans laquelle on verra des questions sur arithmétique, les suites et les limites. Question 1. Voici une suite logique de nombres. 6, 4, 8, 5, 15. Le nombre suivant est réponse A17, réponse B20, réponse C11, réponse D40. Donc ici, on va prendre le premier nombre, 6. Alors pour trouver le deuxième, je vais prendre 6 et je vais retrancher 2. Je trouve 4, c'est le deuxième nombre. Maintenant pour trouver le troisième, je vais prendre le résultat et je vais multiplier par 2. Je trouve 8. Donc le troisième nombre c'est 8. Maintenant pour euh, trouver le quatrième nombre, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 8 et je vais retrancher cette fois 3. Et je vais multiplier le résultat par 3. Alors, 8 moins 3, c'est 5. Donc, c'est le quatrième nombre. Et le cinquième nombre, c'est le résultat fois 3. C'est-à-dire, 15. Maintenant, pour trouver le sixième nombre, je vais prendre 15. Alors, cette fois, on va retrancher et euh, multiplier par 4. Donc, je retranche 4 et je multiplie le résultat par 4. Alors, je je retranche 2 et je multiplie par 2. Je retranche 3 et je multiplie par 3. Alors cette fois, je vais retrancher 4 et multiplier par 4. 15 moins 4, je trouve 11. Donc le sixième nombre, c'est 11. Et la bonne réponse, c'est la réponse C. Pour trouver le septième nombre, il suffit de multiplier 11 par 4. On trouve 44. Mais ce n'est pas demandé. Question 2. Soit x un nombre de 6 chiffres divisible par 9. y le nombre obtenu en déplaçant à la fin le premier chiffre de x. Le reste de la division de y par 9 est égal à. Réponse, A0, réponse, B1, réponse, C2, réponse A 0. Réponse B 1. Réponse C 2. Réponse D 3. x adad min sitat arqam, l l tisa, wa y adad al donc ici on a x contient 6 chiffres, par exemple a5, a4, a3, a2, a1 et a0. Alors on dit que x est divisible par 9, c'est-à-dire que 9 divise x. Et y c'est le nombre obtenu en déplaçant le premier chiffre de x vers la fin. Donc voilà le premier chiffre, on va le déplacer vers la fin. Donc on va commencer par A4, A3, A2, A1, A0 et puis A5. Alors le reste de la division équilibrée de Y par 9 est égal à 0, 1, 2, 3. Donc on cherche à quoi congrue Y module 9. Donc on cherche le reste de la division équilidienne de y par 9. Alors on a x est divisible par 9. Donc on a x congru 0 moins 9. Alors d'après ce qu'on a déjà vu dans les critères de divisibilité, on a déjà vu que x congru 0 moins 9, si seulement si la somme des chiffres est congrue, donc la somme des chiffres AK est congrue à 0 module 9. Donc ici la, la somme des chiffres A0 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. Donc la somme K allant de 0 à 5. Et congrue à 0 module 9. Alors euh, ce sont les mêmes chiffres dans euh, Y. Donc ceci est équivalent à Y aussi congru à 0 module 9. Donc le reste de la division euclidienne de Y par 9 c'est 0.

Alors, premier diviseur, on va mettre 1. Alors, par quoi on multiplie 1 pour, pour trouver 150 Donc, euh, par 150. Alors, 1 fois 150, c'est 150. Et puis, euh, on passe à 2. Donc, 2 est un diviseur. Alors, 2 fois 75, on trouve 150. Ensuite, 3. Alors, bien sûr, 3 est un diviseur. Donc, 3 fois quoi Pour trouver 150, on multiplie 3 par 50. Alors, est-ce que 4 est un diviseur de 150 Non. 4 c'est 2 au carré. 5 Oui. Donc on a 5. Alors par quoi on multiplie 5 pour trouver 150 On multiplie par 30. Alors 5 fois 30 c'est 150. Alors est-ce que 6 est un diviseur de 150 Oui. On a 2 fois 3 égale 6. Donc 6 est un diviseur. Par quoi on multiplie 6 pour trouver 150 Par 5 au carré. Donc 25. Alors est-ce que 7 est diviseur Non. On n'a pas 7 ici. Euh, 8. Alors 8 c'est 2 à la puissance 3. Donc euh, n'est pas diviseur. Euh, 9. 9 c'est 3 au carré. Non. 10. 10 c'est 2 fois 5. Oui. Donc on a 10. Alors, par quoi on multiplie 10 pour trouver 150 Bien sûr, par 15. 11, non. 12. 12, c'est 2 au carré fois 3. Non. 13 non. 14 non, 15, alors 15, oui, on va avoir euh, 3 fois 15, mais on a déjà fait 15. Donc euh, c'est tout. Normalement, combien de diviseurs on a On a ici le, à la puissance A, la puissance A, donc euh, 1 plus 1, 2 fois, 1 plus 1, 2 fois. Ici on a 2, 2 plus 1, c'est 3. Donc on va avoir 12 diviseurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc c'est tout. Alors euh, on cherche euh, les couples d'entiers premiers entre eux dont le produit vaut 150. Donc ici on a 1 fois 150 est égal à 150. Donc on va prendre le couple 1, 150. Ensuite, on a 2 euh, donc euh, 2 fois 75. Donc on va prendre 2 et 75. Alors bien sûr, 2 et 75 sont premiers entre eux. Bien, même chose ici. 1 et 150. Ensuite, 3. Donc 3 fois 50. Est-ce qu'ils sont premiers entre eux Oui. Donc on va mettre 3 et 50. Ensuite, on a 5 et 30. Alors est-ce que 5 et 30 sont premiers entre eux Non. Alors le PJCD de 5 et 30, c'est 5. Car 5 divise 30. Donc ici, on a 5 x 30, et puis 6 x 25. On va prendre 6 et 25. Alors, ils sont premiers entre eux. Ensuite, on a 10 x 15. Mais 10 et 15 ne sont pas premiers entre eux. Donc, le PGCD de 10 et 15 est égal à 5. Donc ne sont pas premiers entre eux, on va pas prendre ce couple. Donc euh, comme vous voyez ici, on a quatre couples. Alors on va inverser, on va mettre 151 et 75, 2 et 53 et 25, 6. Donc la somme c'est combien On a huit couples. La bonne réponse c'est la réponse C. Mais il faut bien sûr préciser que les couples d'anti-naturels. Question 4. L'équation à variable réelle. 9x à la puissance 5, moins 12x à la puissance 4, plus 6x, moins 5 égale 0. Réponse A admet une seule solution entière. Réponse B admet trois solutions entières. Réponse C admet cinq solutions entières. Réponse D n'admet pas de solution entière. Alors euh, on a quel que soit x inférieur ou égal à 0, on a 9x à la puissance 5 et inférieur ou égal à 0, moins 12x à la puissance 4 est toujours inférieur ou égal à 0, plus 6x est inférieur ou égal à 0 lorsque x inférieur ou égal à 0, et moins 5 inférieur strictement à 0. Donc tout ça est inférieur strictement à 0. On l'appelle ce polynôme, on l'appelle P de X par exemple. Donc on a, quel que soit X inférieur ou égal à 0, P de X est inférieur strictement à 0. Ça veut dire que le polynôme P de X n'admet pas de racine négative. Alors maintenant on va calculer P de 1. Donc P de 1 égale 9 euh, moins 12 plus 6 moins 5 égale A. 9 plus 6, c'est 15. 15 moins 5, 10. Et 10 moins 12, c'est moins 2. Qui est strictement inférieur à 0. Alors maintenant, quel que soit x supérieur ou égal à 2. P de x égale. Alors ici, je vais factoriser par 3x à la puissance 4. Facteur. Ici, il reste 3x moins. Ici, il reste moins 4. Et plus 6x moins 5. Alors, quel que soit x supérieur ou égal à 2, ici on a euh, 3x à la puissance 4 est strictement positif, et 3x moins 4 aussi strictement positif. D'accord? Donc car x est supérieur ou égal à 2. Et 2 bien sûr euh, supérieur strictement à 4 sur 3. Et donc 3x supérieur strictement à 4. Donc 3x moins 4 supérieur strictement à 0. Donc euh, Ici on a 3x à la puissance 4, facteur 3x moins 4 est strictement positif. Donc voilà, on a 3x à la puissance 4, facteur 3x moins 4 strictement positif et on a ici x supérieur ou égal donc x supérieur ou égal 2, donc 6x, 6x supérieur ou égal 12 et donc 6x moins 5 supérieur ou égal 7 et 7 est strictement positif, d'accord Et donc P de X, et comment on, on va faire la somme de ça avec ça, strictement positif, ceci quel que soit X, super ou égal à 2. Donc comme vous voyez, quel que soit X inférieur ou égal à 0, le P de X est inférieur strictement à 0, P de 1 est inférieur strictement à 0, quel que soit X super ou égal à 2, P de X super strictement à 0, ça veut dire quoi Ça veut dire que pX نادمي إكس ناد مي با دغاسين إذا هنا بينا أنه إذا كان إكس سالب أو منعدم، فإن بي دائما أصغر قطعا من الصفر. وهذا يعني أن بي يساوي إكس صفر لا, لا ليس لها أي حل. قمنا بحساب بي وجدنا أن تساوي ناقص اثنان غير منعدمة، إذا واحد ليس حل لهذه المعادلة. وكذلك وجدنا أنه لكل إكس أكبر منه يساوي اثنان.

Alors, par l'absurde, supposons que il existe... Donc, supposons que cette équation a des solutions dans Z, c'est-à-dire supposons qu'il existe un X appartenant à Z, tel que on aura euh, 9X à la puissance 5 moins 12X à la puissance 4 plus 6X moins 5 égale 0. Donc, Ici, on va factoriser par 3 et moins 5 dans l'autre côté. Donc, je vais avoir 3 facteur 3x à la puissance 5, moins 4x à la puissance 4, plus 2x et moins 5 dans l'autre côté, égal à 5. Donc ici, euh, on suppose qu'il existe un x dans z qui vérifie ces équations. Donc, euh, ici, on a ce nombre appartient à z. Et donc, 3 est un diviseur de 5. On a 3 fois un entier égal 5. Donc, 3 divise 5, absurde. Donc, ce qu'on a supposé est faux. C'est-à-dire que l'équation n'admet pas de solution dans Z. Et donc, la bonne réponse est toujours la réponse D. Question 5. Soit la suite un définie par un égale racine de n moins partie entière de racine de n, n appartient à n, où x entre crochets désigne la partie entière de x, la limite quand n tend vers plus l'infini de un indice n carré plus 2n égale, réponse A0, réponse B1, réponse C2, réponse D3. Et ici, nous savons un, b, un, cest à n, le juste, n, et j'adresse n. Le n, cest à indice n morabazaïde itnani n. Alors euh, on a quel que soit n appartenant à n, u indice n carré plus 2n est égal à, on va remplacer n par n carré plus 2n. Donc on aura racine de n carré plus 2n moins la partie entière de racine n carré plus 2n. Alors maintenant on va déterminer la partie entière de racine n carré plus 2n. Alors euh, on a déjà donné un petit résumé sur la fonction partie entière dans la vidéo Astuces mathématiques des concours partie 3. On a déjà dit que pour tout x dans R la partie entière de x est le plus grand entier relatif inférieur ou égal x. Et x inférieur strictement à partie entière de x plus 1. Et partie entière de x supérieur strictement à x moins 1. Alors, euh, on va encadrer racine de n carré plus 2n. On a n carré euh, plus 2n, inférieur strictement à n carré plus 2n plus 1 est supérieur ou égal n carré. Alors euh, n carré est égal à n carré plus 2n lorsque n égale 0. Et n appartient à n. Donc, euh, quel que soit n dans n. Euh, maintenant, on passe à la racine. On va voir racine de n carré plus 2n inférieur strictement à racine de... Ici, on a identité remarquable. Donc c'est n plus 1 au carré supérieur ou égal, racine de n carré. Et donc, racine de n carré, plus 2n, inférieur strictement à n plus 1, supérieur ou égal, n. Donc, comme vous voyez ici, racine de n carré plus 2n est compris entre deux entiers consécutifs, n et n plus 1. Donc, c'est quoi la partie entière de racine n carré plus 2n? C'est exactement n. Donc la partie entière par définition, c'est le plus grand entier relatif inférieur ou égal racine n carré plus 2n. Donc, partie entière de racine n carré plus 2n est égale à n. On remplace ici dans la suite un carré plus 2n. Donc euh, u indice n carré plus 2n est égal à racine de n carré plus 2n moins euh, la partie entière de racine n carré plus 2n qui est n. On remplace par n. Donc moins n. Maintenant, on va calculer la limite de cette suite. On aura la limite, quand n tend vers plus l'infini, de racine de n carré plus n. 2n moins n égale à euh, racine n carré plus 2n tend vers plus l'infini moins n tend vers moins l'infini. Donc on va avoir forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, on va multiplier par le conjugué. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de... On va multiplier et diviser par racine de n carré plus 2n plus n. Au numérateur, on va avoir quoi On va avoir n carré plus 2n moins n carré. On simplifie, le résultat c'est 2n. Donc je vais avoir ici 2n. Euh, donc ça c'est euh, égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. 2n, ici je vais avoir plus l'infini sur plus l'infini. Format déterminé. Euh, on va utiliser, euh, donc on peut factoriser et simplifier par n ou bien utiliser les fonctions équivalentes. Donc On, euh, on va utiliser les fonctions équivalentes. Alors ici on a n carré, au voisinage de plus l'infini. Et prépondérant à 2n. Donc il est largement plus grand que 2n, donc je vais mettre racine de n carré. D'accord Plus n. Donc ça c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini, 2n sur racine n carré c'est n, n plus n 2n. Donc la limite c'est 1. La bonne réponse, c'est la réponse b. Question 6, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sinus exponentielle moins x égale à réponse a 0, réponse b1, réponse c moins 1, réponse d n'a pas de limite. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sinus exponentielle moins x égale a. Donc ici on a exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini tend vers 0, et sinus 0 c'est 0. Et exponentielle x tend vers plus l'infini, fois 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, première méthode, on va utiliser les fonctions équivalentes. La limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x, alors sinus exponentielle moins x est équivalente à exponentielle moins x. On a déjà dit que sinus grand x au voisinage de 0 est équivalente à grand x. Donc ici on a sinus exponentielle moins x qui tend vers 0. Donc il est équivalente à, à exponentielle moins x. Donc ça c'est égal à exponentielle x fois exponentielle moins x c'est 1. Donc euh, la limite c'est 1. La bonne réponse c'est la réponse b. Sinon, deuxième méthode, on peut faire apparaître les limites usuelles. La limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x. Sinus exponentielle moins x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus exponentielle moins x. Or, euh, exponentielle x au dénominateur, c'est exponentielle moins x. Et ça, c'est quoi? C'est la limite quand t tend vers, donc je vais faire euh, changement de variable, je pose t égal exponentielle moins x. Quand x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc sinus t sur t, c'est quoi ça C'est une limite usuelle elle vaut 1. Même réponse. Question 7 la limite qu'on extend vers plus l'infini de cosinus x carré plus x moins 1 sur x égale à Réponse a 0, réponse b 1, réponse c moins 1, réponse d n'a pas de limite. Alors cosinus x carré plus x moins 1 n'a pas de limite en plus l'infini. Et comme, cosinus est une fonction bornée, donc, on va utiliser le théorème suivant. Alors, on a déjà vu le théorème suivant dans le chapitre limite d'une fonction, première année bac. Théorème, soit f et g de fonctions définies au voisinage de plus l'infini et l un réel. Si, quel que soit x appartenant à i, f de x en valeur absolue, f de x moins l, inférieur ou égal g de x, et si la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à 0, alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à l. Donc euh, ici on a cosinus de x est borné, toujours inférieur ou égal à 1. Alors on a, quel que soit x appartenant à R étoile plus, euh, valeur absolue de cosinus de x inférieur ou égal à 1. Donc on va mettre euh, cosinus x carré plus x moins 1, inférieur ou égal à 1. Et donc, euh, quel que soit x dans R étoile plus, on aura cosinus de x carré plus x moins 1 sur x en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 sur valeur absolue de x. Donc ici, on a euh, multiplié d'un côté par euh, 1 sur valeur absolue de x. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, alors 1 sur valeur absolue de x, c'est 1 sur x, car on travaille sur un voisinage de plus l'infini, R étoile plus. Donc euh, la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 0, d'après le théorème, c'est quoi la limite de cette fonction C'est 0. Donc ici on a euh, cos x carré plus x moins 1 sur x moins 0. Donc la limite c'est 0. Donc euh, d'après le théorème d'encadrement, on a les limites de cosinus x carré plus x moins 1 sur x est égal à 0. On coche la bonne réponse, c'est la réponse a. Question 8. Soit f une fonction continue de R à valeur dans Z, alors, réponse A f n'est pas constante. Réponse BF est constante. Réponse C F est strictement croissante. Réponse D, F est strictement décroissante. L'itakun F à la R, nahwa Z. F, donc ici, si F est strictement décroissante, alors F n'est pas constante. Dans ce cas, on va avoir deux réponses correctes. Chose qui est impossible. Même chose, si F est strictement décroissante, alors il est aussi non constante. Donc, euh, même chose, on va avoir deux questions ou bien deux réponses justes, ce qui est impossible. Donc, les réponses D et C sont fausses. Donc, on a soit F const non constante ou bien F constante. Alors, euh, pour répondre à ces questions, on peut par exemple prendre un petit exemple comme le suivant. Donc, ici, on considère la courbe de la fonction f suivante. Alors, euh, par exemple, si 1 admet un antécédent a et 2 admet un antécédent qu'on appelle b, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, quel que soit lambda entre 1 et 2, il existe au moins un élément c qui appartient à l'intervalle AB, tel que f de c égale à lambda. Donc, quel que soit lambda, d'après le terme des valeurs intermédiaires, quel que soit lambda appartenant à 1, 2, il existe au moins un élément c appartenant à l'intervalle AB, tel que f de c égale à lambda. Alors, d'après la définition de la fonction f, c'est une fonction continue sur R et à valeur dans Z. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à r, f de x appartient à z. Et donc euh, f de c appartient à z. C'est-à-dire lambda appartient à z. Est-ce que lambda appartient à z Non. Car il est comprise strictement entre deux entiers consécutifs. Donc lambda n'appartient pas à z. Donc si la fonction f n'est pas constante on aura une contradiction. Donc on peut directement répondre, c'est la réponse B qui est juste, f est une constante. Alors maintenant, on va faire la démonstration. Alors, euh, on a dit que soit f non constante, ou bien soit f est constante. Alors par l'absurde, supposons que f n'est pas constante. Donc euh, il existe AB appartenant à R, tel que par exemple A inférieur strictement à B, euh, donc tel que F de A est différent de F de B. On peut choisir par exemple F de A inférieur strictement à F de B. Par exemple, alors comme... Comme f est continu sur l'intervalle AB, alors, euh, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, quel que soit lambda appartenant à, euh, ou bien comprise entre f de a et f de b, c'est-à-dire appartient à l'intervalle f de a, f de b, il existe au moins un élément C appartenant à l'intervalle AB tel que euh, f de c égale à lambda. Et comme la fonction f est à valeur dans z, donc on aura, quel que soit lambda appartenant à f de a, f de b, on, on aura lambda appartient à z. Absurde. Donc ici on a quel que soit lambda, appartient à cet intervalle, lambda est un entier relatif. C'est impossible. Alors, les éléments euh, de cet intervalle ne sont pas tous des entiers relatifs. Donc c'est absurde. Par suite, f est constante. Donc, la bonne réponse, c'est toujours la réponse B. Question 9, soit f une fonction dérivable sur R telle que, quel que soit x, y appartenant à R carré, f de x plus y, facteur 1 moins f de x, f de y, égal à f de x plus f de y. Alors, quel que soit x dans R, f prime de x sur 1 plus f de x au carré, égal. Réponse A f prime de 0, réponse B f prime de 0 moins 1, réponse C f prime de 0 plus 1 demi, réponse D f prime de 0 moins 1 demi. لتكون اف دالة قابلة للاشتقاق على أق تحقق هذه العلاقة اذا لكل اكس من ار اف بريم ل اكس على واحد زائد اف اف اكس مربع يساوي هذه القيمة او هذه القيمة او هذه القيمة او هذه القيمة اذا كما نلاحظ هنا جميع القيم فهي ثابتة اف بريم ل صفر اف بريم ل صفر ناقص واحد اف بريم ل صفر زائد واحد على و ناقص واحد على 2 les colis x mineur Donc ici, on remarque que toutes les réponses sont des constantes. Donc, cette expression est constante sur R. Donc, quel que soit X dans R, on a f' de X sur 1 plus f de X au carré est une constante. Est une constante, par exemple, euh, égal à alors pour x égale à 0 égale à f prime de 0 sur 1 plus f de 0 au carré euh, maintenant pour euh, trouver euh, donc euh, pour trouver cette expression il suffit de calculer f de 0 alors pour calculer f de 0 on va utiliser cette relation fonctionnelle alors pour x égale y égale 0 Ici je vais avoir f de 0 plus 0 c'est f de 0 facteur 1 moins f de 0 fois f de 0 c'est f de 0 au carré facteur égal à f de 0 plus f de 0 c'est 2 f de 0 alors on va, on va mettre le tout dans le deuxième côté on va factoriser par f de 0 donc ici on a 2 moins 1 plus f de 0 au carré égale 0. Donc euh, f de 0 est égal à 0 ou ici 2 moins 1 c'est a. Plus f de 0 au carré égale 0. Alors ici f de 0 au carré est positif ou nul. Lorsqu'on ajoute a, ça devient strictement positif. Donc euh, ce nombre ne s'annule pas. Donc, forcément, f de 0 qui est nul. Voilà, maintenant, on calcule f prime. Donc, quel que soit x, f prime de x sur 1 plus f de x au carré. Donc, quel que soit x dans R, f prime de x sur 1 plus f de x au carré est égal à f prime de 0 sur 1 plus f de 0. f de 0, c'est 0. Donc il reste f prime de 0. La bonne réponse, c'est la réponse A. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.